Le thème aura fait ça et puis votre impacteuse va sortir. Bonjour, bon matin à tous. Voilà. Bonjour, bonjour. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous ceux qui sont connectés, partagés. Bon, d'après moi, elle dit partager, partager. Tu n'avais pas encore parlé, tu dis partager. Bon, connectez-vous, hein. Ah ouais, vous avez vu hein, le titre de mon direct. C'est un dimanche, on va faire les choses chap chap et puis après. Voilà, il est 10h. Je vais aller à la messe de midi là. Merci beaucoup pour les cœurs. Partagez-moi ce direct pour que, parce qu'il y a le nom de quelqu'un qui est là. Partagez pour que le nom là, la personne reçoive le direct. Comme moi, je ne suis pas abonné à sa page, quand vous allez partager là, elle va recevoir. Taguez-moi là son créa. Taguez-la moi, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes à combien là? 200 et quelques. C'est déjà bon ça. C'est déjà bon. Je vais vous mettre une petite chanson là. Ouais, parce qu'on reste des frères, on reste tout. Annie Dié. Ceux qui sont de mon époque là, vous connaissez Annie Dié, demi-frère. Attends, elle met le volume d'abord. Le volume est bon. On l'appelle demi-frère. On l'appelle demi-frère. Aïe, j'ai ma j'ai la. Non, non. Top, top, top. Tu le lady. Top, tu le lady. Il ne doit pas avoir de demi-frères en Afrique. Nous sommes tous des frères. Non, c'est pas du Niam Sélé. On l'appelle demi-frère. On l'appelle demi-frère. Aïe, j'ai mangé quali. Comme un gnagnon. Top, top, top. Tu le daddy. Ça c'est la vieille époque. Ça va pas être long donc. Agnon. Chop chop chop. Tu le daddy. Chop tu le daddy. Bonjour, bonjour à tous, bon dimanche à tous, bon midi, bon après-midi partout où vous êtes. Aujourd'hui, on est en train de tirer vers fin septembre. Je crois qu'on est au 28 aujourd'hui, 29, 30, bon 27 parce que Wendy va voir. C'est sa fête le 30 septembre, donc je retiens ça. Merci, merci à tous. Je suis là dans ce direct aujourd'hui pour faire un éclaircissement. Je suis là pour éclaircir certaines situations. Le nom que vous avez vu, sûrement que vous ne savez même pas de qui il s'agit. Vous ne savez pas de qui il s'agit, mais j'ai mis son nom pour que vous alliez regarder sa vidéo, pour que vous alliez sur cette page-là. Nous sommes des adultes et nous sommes sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Nous sommes des adultes, donc on est des adultes. Souvent, aller chercher des noises. Oui, quand on dit, quelqu'un m'a dit, l'impacteur, chercher une noise, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher par là. Aller chercher des problèmes, aller chercher des palabres là. C'est pas intéressant pour des adultes comme vous.
J'ai mis le nom de Larson Crea, c'est pas pour rien. Oui, on va dire l'impacteuse aime les buzz. Mais quand je mets ma bouche dans un buzz, quand je commence à faire, ça dit, je commence à faire un éclaircissement avec une personne, très souvent, j'ai ma raison. Je vais partir d'une vidéo. Ottawa Océane. Déjà, on a répondu à qui là-bas? Oriane Kakou. D'accord. Ok, je vais partir d'une vidéo d'abord. Je vais partir de cette vidéo que cette dame a faite le 9 septembre. Vous allez écouter la vidéo, mon truc est tombé, donc parfois le micro n'est pas fort. Vous allez juste écouter la petite partie, pourquoi j'ai fait cette sortie aujourd'hui et pourquoi je reviens dessus. Parce que, comme on dit, ça commence à faire. Ça commence à faire. Comme je ne veux pas que ça devienne, ça dit que je ne veux pas que ça devienne autre chose là. Je suis venu pour intervenir. C'est pour ça que je vous ai dit, appelez-moi Larson Crea. Appelez la dame. Ça dit que qui est sur sa page. Et puis c'est le. Ça dit que c'est moi l'impacteuse. Elle introduit dans ses vidéos. Maman, je suis venue pour te parler. Parce que tu n'es pas rentré dans mon inbox pour me parler. Tu as prononcé là-bas dans ta vidéo. Tu as fait allusion à moi dans ta vidéo. C'est pour ça que je suis venue sur toi. Oui, c'est dimanche. Il a fini de faire sa propre et puis il m'a à l'église. Attends. Où est-ce qu'elle est? Ouais, parce que, comme je le dis, mince, j'ai effacé cette vidéo. Ok, elle est là. Oh, je suis allée trop loin dans cette vidéo. Ouais, donc, comme je vous ai dit, vous êtes des comment on dit ça, vous êtes nos suiveurs, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Donc, très souvent, quand on met le nom d'une personne comme ça, vous savez très souvent même de qui il s'agit. Mais il faut que je vous montre la vidéo déjà pour que vous sachiez de qui est-ce qu'il s'agit. Ouais. Yes. Ok, j'ai la vidéo. Super. Ne frappez pas vos enfants pendant les échecs scolaires. Ok. Mes amis, je vais vous amener à une vidéo, à la 42e partie de cette vidéo. Oui, on est rendu à la 41e. Je vais vous emmener là, 41e, je vais commencer là. Écoutez. Ça va venir. Ça va venir. Parce que ça tient. Tu sais, on appelle ça le cirque romain. Je vais m'abaisser pour que vous la voyez. Vous voyez bien cette dame? Si vous la voyez, dites-moi que vous la voyez. C'est de moi qu'elle a parlé dans sa vidéo. Voilà.
Bon, dans tous les cas, vous avez vu l'image, vous avez vu la vidéo, le son n'était pas parfait. C'est pour ça que vous n'entendez pas. Mais dans cette vidéo, comme je vous ai dit, cette vidéo a été faite le 9 septembre. Le 10 septembre, oui, c'est pour ça que je suis aujourd'hui là pour parler. Faut pas que d'autres blogueurs pensent qu'ils sont spéciaux par rapport à certains. Quoi qu'on dise là, chacun est suivi à sa manière. Elle a fait cette vidéo le 9 septembre. Le 10 septembre déjà, à matin, au matin, j'ai reçu la vidéo. J'ai reçu la vidéo par 2-3 personnes. J'ai dit, mais on m'envoie la vidéo de cette dame, c'est qui? Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. C'est qui? Mais on m'a envoyé ça 3 fois. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une vidéo que la dame a faite. Et puis bon, ça fait le buzz et puis on me l'envoie. J'ai ma très chère qui est en Europe, qui m'a maintenant mis un commentaire en bas de la vidéo. Est-ce que tu sais que la dame t'a indexé dans cette vidéo? Je dis, mais qui est cette dame-là? Elle est qui? Et puis elle m'a indexé. Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle dit, non, écoute d'abord. Je suis allée écouter la vidéo. Dans cette vidéo, je vous dis que je l'ai reçue le 10 septembre. Vous allez me demander du 10 septembre, pourquoi c'est aujourd'hui que j'interviens? Parce que ça commence à faire. Ça commence à faire. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai vu que, bon, effectivement, elle a parlé de moi dans la vidéo. Comme quoi, oui, moi, je suis... elle a une dame qu'elle suit, pour laquelle elle a quand même beaucoup d'estime. Donc, cette dame-là est allée sur elle, sa page, pour prendre deux de ses sujets, pour traiter ses sujets. Donc, elle a déjà fait une vidéo dans la forêt avec ses enfants. Et puis, ensuite, le deuxième volet, c'est que le sujet que je suis allée traiter, Bengui sans maison, en Afrique, tu n'as pas échoué, c'était son sujet. Est-ce que vous me voyez venir, vous qui me suivez? C'est pour ça que si vous l'avez déjà taguée, elle va être sur ma page. Elle doit être déjà là ou bien ces personnes sont là. Mais je dis, mais je ne la connais pas. Pourquoi elle parle de moi? Moi, je suis allée tricher son sujet ou je suis allée dans la forêt. Mais le sujet là, quand elle l'a traité ça là, est-ce que le sujet avait fait du buzz? Mais qui est cette dame là? Elle est qui? Ok, j'ai avalé la salive. Comme je vous ai dit là, moi c'est quand tu me cherches là, tu vas me trouver. Quand tu viens frapper à une porte, tu frappes et puis on ne répond pas là. Faut laisser. Mais non, madame n'a pas voulu laisser. J'ai vu encore que dans une intervention dans le dossier de Nice Unon, j'ai été encore indexée d'une autre façon. Parce que de tous les blogueurs qui ont parlé sur la toile, je suis la seule qui a insisté sur le problème des droits de l'homme. Parce qu'elle a donné des exemples. Mais moi, le cas que j'ai expliqué, comme j'ai dit, que si tu as subi ça en Côte d'Ivoire, que tu as subi ça au Cameroun, tu as subi ça au Mali ou bien au Burkina, j'allais intervenir de la même façon. Donc, j'ai compris que cette dame-là, elle me cherche noise. Elle me veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis venue sur elle. Pour vous qui ne la connaissez pas, parce que je ne la connaissais pas, comme je vous ai dit, je n'ai jamais vu une de ses vidéos dans les fils d'actualité. Donc, quand on m'envoyait cette vidéo le 10 septembre, je suis tombée des nues. Ce que vous ne savez pas là, nous aussi, on a des petits qui sont puissants. Moi, j'ai mon petit qui est en Angleterre. Il est un jeune informaticien. Il a fini l'école. Il dit, maman impacteuse, toi, tu es ma mère. Je t'aime. Je suis un informaticien. Il a 17 faux profils. Il a même fait ses papiers pour venir au Canada. Il a 17 faux profils. Quand je lui ai envoyé la vidéo de maman, il dit, mais maman, nous, on dort sur les réseaux sociaux. On ne la connaît pas. Tu n'as pas même fait publicité des gens qui ont des abonnés qui n'ont pas de notoriété. La somme créa, c'est ce que je suis venu te dire. Oui, il y a longtemps tu es sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps tu as 100 000 abonnés. Quand j'ai dit aux gens qu'elle a 100 000 abonnés, on dit, mais on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu dans les pics d'actualité. Ces 100 000 abonnés là, c'est qui la suit? Parce que nous, on dort sur les réseaux sociaux. On ne la connaît pas. Donc, maman, il faut laisser. Oui, elle a 100 000 abonnés. Mais dans 100 000 abonnés là, maman, quand tu fais tes directs là, tu n'as pas 500 abonnés qui te suivent. Voici sa frustration.
Parce que si ce n'est pas pour ça, comment tu peux dire que moi, l'impacteuse, tout le monde sait que l'impacteuse, c'est celle qui a toujours parlé des benguises. C'est celle qui a toujours parlé de temps en temps. Maman, je n'ai pas fait sujet de buzz. J'ai déjà fait une vidéo qui a fait quasiment 1000 partages en une journée alors que je n'avais pas 5000 abonnés. Ma vidéo Benguis menteur, ça a fait sur Yves Debabi. C'est une vidéo qui a framponné. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler? Et puis, elle m'introduit dans ses vidéos. Pourquoi aller chercher palabre où il n'y en a pas? La première fois, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, bon, on va le laisser faire. Je vais la laisser parce que, bon, elle a essayé de mitiger, oui, mais c'est dans la deuxième vidéo, elle a mitigé. Dans la première vidéo, c'est carrément la femme qui parle au Canada. Elle est partie faire la vidéo dans la forêt, le sujet. Maman, je n'ai pas pris ton sujet. Je suis éducatrice de formation. Quand je suis venue sur les réseaux sociaux, là, au début, j'étais venue avec des sujets doux, où je vais parler des enfants. Je vais parler, comme je l'ai dit, les sujets où on parle des choses sérieuses, ce sont les sujets qui ne se partagent pas. J'ai toujours dit ça. J'ai déjà même fait une vidéo où j'ai dit qu'en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, buzz est mieux que sensibilisation. Donc, pourquoi tu vas venir m'indexer dans tes vidéos? Tu as 100 000 abonnés, mais comme je t'ai dit, tu n'es pas suivi. Donc, si tu n'es pas suivi là, c'est pas sur moi. Tu vas venir chercher ta notoriété. Tu vas m'inscrire. Tu vas toujours m'indexer dans tes vidéos. Le visage que j'ai vu là, ce n'est pas le visage d'un enfant. Ton visage que j'ai regardé là, c'est un visage aussi qui a dépassé 45 janvier comme pour moi ici. Donc, pourquoi tu vas venir, ça veut dire que tu vas venir te prendre comme si c'est toi qui parles que des bons sujets. C'est toi qui parles. Mais maman, si tu parles de tes sujets et que pendant que tu es en train de faire tes directs, il y a que tu as 100 000 abonnés, tu fais direct où il n'y a pas 500 vues, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois aller mettre dans ta façon de faire. Je suis là pour te dire ça, Hora. Tu dois mettre un peu de piquant. Tu dois mettre un peu de quelque chose qui va faire que les gens vont s'accrocher à ta page pendant que tu es en train de faire tes directs. Parce que les blogueurs, là, on est comme ça. On est roi sur la toile. Quand c'est toi qui envoyais le côté intellectuel, les Ivoiriens faisaient vidéo dans le salon. Mais attends. Pour qui est-ce que vous vous prenez, madame? Vous prenez pour qui, madame? Quand moi, je faisais, les Ivoiriens faisaient vidéo dans le salon. Ma première vidéo, je l'ai faite dans les rues. Les autres vidéos, je les faisais dans la maison quasiment. Mais je changeais toujours d'angle parce que quand je fais mes vidéos, je tiens à la luminosité. C'est pour cela que toutes mes vidéos, quasiment là, je change de peuple. Aujourd'hui, je peux faire ici. Après, quand je vais faire, je vois que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vidéo même dans voiture, même là, c'est pas des trucs que moi j'aime trop parce que tu es comme coincé et puis tu es comme ça dit, tu es cloîtré, comme on dit. Mais ce que tu oublies, oui, les blogueurs ivoiriens parlent des buzz, ma chérie, les buzz là, ça nourrit des familles aux États-Unis. Il y a des blogueurs qui ne travaillent pas, ils sont que dans le people, ils sont que dans ce qu'on appelle les gossip. Ça veut dire que toute information qui vient, les buzz, d'ailleurs le mot buzz là, c'est un mot anglophone, non? C'est un mot anglophone le buzz? Donc ça veut dire que c'est ce que tu dois donner comme conseil aux blogueurs, aux jeunes blogueurs, au lieu de tomber dans les injures, essayez de faire ça de votre métier. Ceux qui veulent faire le blog, faites ça bien. Si vous voulez devenir un blogueur de buzz, c'est tout à fait normal. Madame Larson Créa, le buzz paye des maisons ici en Amérique. Il y a des blogueurs, eux, ils se réveillent le matin. Ils s'en vont seulement sur les sites de People pour regarder. Est-ce que Rihanna, la robe qu'elle a portée là, est jolie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille Kardashian? Qu'est-ce qui s'est passé chez Beyoncé? C'est ce qu'ils prennent pour remplir leur compte. Quand toi tu viens parler, à part les sujets de buzz là, toi qu'est-ce que ça t'apporte sur ta page? Maman, ta vidéo tu as fait depuis le 9 septembre jusqu'aujourd'hui, cette vidéo là a 9000 vues. Allez sur sa page, tu voulais la notoriété, non? Tu voulais qu'elle te donne les vues, je suis même pour te donner les vues. Pourquoi vous aimez chercher les problèmes où il n'y en a pas? Facebook est une plateforme qui est large, c'est un gros village. Il y a encore de la place pour tout le monde. Il faut parler de tes sujets de l'art. Mais là, quand tu es venu parler de l'art, tu croyais que ça allait intéresser combien d'Africains? Quand tu viens et puis tu parles de l'art, je parle de l'art, mais il y a ton public qui est là, il y a ton petit public. Donc, contente-toi de ton petit public. Tu n'as pas venu chercher les problèmes à l'enfant d'autrui. Qu'est-ce que je t'ai fait?
Là, sans créer, je t'ai fait quoi, maman? Et puis, c'est mon nom, pas mon nom impacteuse, mais c'est la femme qui parle au Canada, dans la forêt là-bas, c'est mon nom qui est dans ta bouche. Tout de suite, là, qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a des blogueurs qui sont venus hier, là. Hmm? Les blogueurs, il y a la blogueuse à 2 abonnés, Chanetti. Elle est venue hier, là. Elle fait des vidéos qui fracassent. Il y a d'autres aussi, mes petites soeurs qui sont là-bas, là. Elles parlent de des bêtises, elles insultent, mais quand même, là, elles ont des vues, on les partage là-bas. Donc, si toi, tu viens parler de l'art et que ça ne donne pas, maman, là, ça ne donne pas, elle est africaine. Est-ce que c'est la faute à moi pour que tu viennes dire que moi, j'ai pris ton sujet et puis je suis venue traiter? Comme je t'ai dit, c'est depuis le 10 septembre qu'on m'a envoyé ta vidéo. On m'a envoyé ta vidéo 4 fois. J'ai donné ta vidéo à mon petit en Angleterre. J'ai dit, faut checker pour voir qui est cette dame. Il dit, maman, on ne la connaît pas, faut laisser. Même si elle a 1 million d'abonnés, elle n'est pas suivie. D'après, tu as dit ça dans ton direct. Oui, c'est vous qui devez partager, c'est vous qui devez partager. Mais c'est partager, c'est forcé. Partager, c'est pas forcé. Oui, on a même dit ça, partager, mais partager là. Vous qui me restez, c'est forcé de partager. C'est pas forcé. Donc si on ne partage pas là, c'est pour ça que tu as venu pour faire comme si toi, c'est les sujets qui sont importants seulement que tu traites. Maman, le buzz dans Enu Zinon là, où tu es venu intervenir, tu es venu parler là, toi-même tu sais que c'est un buzz dans lequel tu étais venu te mettre. Quand vous venez dans les buzz là, faites comme l'impacteuse. Aujourd'hui c'est le buzz, je suis venu parler de ça. Faites comme moi, assumez. Faites pas semblant comme si vous êtes les traiteurs de bons sujets et puis vous venez seulement dans les buzz par hasard. Il faut assumer. La preuve, cette vidéo de buzz là, elle t'a donné près de 500 à 600 partages. Quand on m'a envoyé ça hier, pour dire qu'encore tu as fait allusion à moi. Tu as fait allusion à beaucoup de blogueurs. Maman, si c'est pas sujet de buzz là, j'ai dit que tu as parlé de ce sujet, ne frappez pas vos enfants si ça ne va pas à l'école. Tu as fait la vidéo depuis le 9 septembre, c'est dedans que tu as dit mon nom. Jusqu'aujourd'hui, la vidéo a 7000 abonnés. Pourtant, tu as 7000 vues. Pourtant, tu as 100 000 abonnés. Moi-même, je n'ai pas 100 000 abonnés encore, mais il n'y a pas vidéo de 7000 vues sur ma page. Va regarder toute ma page, il n'y a pas vidéo de 7000 vues. Toutes mes vidéos que je fais, ça dépasse. La vidéo qui n'a pas donné, là, peut-être c'est 15 000, c'est 14 000. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler? Qu'est-ce que je t'ai fait tout de suite? Et puis, tu as tendance à m'indexer dans tes vidéos. Merci pour les étoiles. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai vu que ton visage qui est là, c'est pas le visage de ma petite soeur. Ton visage là, sécurisez-moi ce direct, les ennemis de la vérité sont là. Ton visage qui est là, ça a déjà fait 45 janvier comme moi ici. Donc, on n'a qu'à se respecter sur les réseaux sociaux. De quel droit tu te permets chaque fois de m'indexer dans tes vidéos? Je ne parle pas de là comme toi. Tu as dit que non, Emmanuel Keïta est venu tricher ton concept. Tu as dit ça. C'est quand maintenant tu as parlé de moi, on m'envoie encore ta vidéo. Je regarde, je dis mais attends. Elle a triché ton concept. Moi, je ne parle pas de là comme toi. Si je parle des sujets des enfants, c'est parce que c'est mon domaine. Si je parle des sujets ou souvent je parle de la violence conjugale, c'est parce que j'ai des notions là-dessus. Affaire de Bengis, que comment les Bengis doivent se comporter. Tout le monde connaît l'impacteuse. Tu dis que tu connais l'impacteuse canadienne, elle parle de l'immigration. Elle parle de comment les gens doivent vivre en Occident. Elle parle des sujets des enfants. Elle parle des sujets des femmes. Voici, moi, mon champ de prédilection. Donc, de quoi est-ce que tu viens parler? Et puis, tu m'indexes chaque fois dans tes vidéos. Et puis, c'est toi qui est madame qui traite les bonnes. Mais tu traites les bons sujets, là, ça donne quoi? Ça donne pas, maman. Il faut changer ta stratégie. Je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux, mais si pour moi, donne là, rentre dans mon inbox, dis ma soeur, moi-même là, il y a 100 000 abonnés. Mais comment tu fais? Puis quand tu fais tes vidéos, ça donne. Quand tu fais tes directs, et puis là, d'après mes frères Kamel, maman, tes directs sont trop sucrés. Comment tu fais? Puis tes directs sont sucrés, tes vidéos sont tant. Tu comprends? J'ai dit que tu n'as pas fait un direct où il va y avoir 2000 personnes qui sont connectées sur ton direct. C'est de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute? Tu as dit tout ce que tu voulais. Le sujet est misuné là. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit comment il ressent. D'autres ont critiqué. D'autres ont dit, est-ce que pour autant tu as venu attaquer les gens dedans? Vous parlez des droits de l'homme. Mais c'est parce que tu vis dans un pays où les droits sont respectés. On veut que les droits aussi soient respectés dans nos pays. Pour que là-bas, même si on est des blogueurs, on est libre de dire ce qu'on pense là-bas. Je crois que c'est parce que tu vis dans un pays comme la France, où on respecte tes droits au quotidien, que tu te sens fier là-bas.
Donc, pourquoi tu viens t'attaquer à des gens en général? Tu viens mépriser les blogueurs. C'est toi qui es tant. C'est toi qui es tant. J'ai dit que le buzz, ça paye des maisons. Il y a des grands blogueurs en Occident. Je parle des États-Unis. Je parle de l'Angleterre. Même ici au Canada, il y a des gens, ils ne parlent pas des sujets, des sujets. Eux, ils ne parlent que de buzz. Mais quand tu es venu et puis tu as parlé de buzz là-haut. Attends, on va éclaircir les choses. Tu es venu, tu as parlé de buzz là. Quand tu as 100 000 abonnés, je suis là pour vous dire les hora. Quelqu'un qui a déjà 10 000 abonnés sur sa page, qui a 15 000 abonnés, YouTube et Facebook, je parle d'abord de Facebook. Facebook te propose, comment on appelle ça? Ah, la monétisation. Facebook vient te proposer ça. Quand tu as atteint 15 000 abonnés, c'est toi qui choisis si tu veux être monétisé ou pas. Parce que quand tu es monétisé là, après tu vas payer les impôts. Donc tu as 100 000 abonnés là, ça veut dire que tu es monétisé. Donc quand tu es venu parler de buzz de Nice Junon, et puis tu as fait comme si le sujet ne t'intéressait pas, et puis tu as fait comme si tu étais venu critiquer là, il y a de la monétisation dedans. J'ai dit, on n'a qu'à se respecter. Apprenons à nous respecter. Chacun n'a qu'à traiter dans son cas. Tu as dit que tu es venu pour l'art, donc il faut traiter pour l'art là. Hein? Les amateurs de l'art là, désormais allez vous abonner sur sa page. Allez, quand elle fait ses directs, à tous ceux qui aiment là, là, allez vous connecter là-bas. Tu as quel problème? J'ai dit que j'ai reçu ta vidéo il y a longtemps. Je l'ai reçu. Pour que je réagisse là, c'est qu'il y a eu deux fois. Mais comme je ne veux pas que tu viennes trois fois sur moi là, c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens sur toi. Là, sans créa, je ne t'ai rien fait. Parle de tes sujets. Arrête de critiquer tel blogueur. Hein? Tu peux critiquer pour dire que les gens arrêtent d'insulter les mamans. Que les gens arrêtent d'insulter. Mais le buzz nourrit des familles. Le buzz là, tu es blogueur. Attends, de quoi est-ce qu'elle parle? De quoi est-ce que tu parles? Et puis tu dis non, des blogueurs, tant. J'ai dit qu'il y a des blogueurs, des nouveaux blogueurs qui sont venus hier. Qui ont eu une grosse visibilité sur la toile. Toi, tu dis que tu es là il y a longtemps. Il n'y a pas de Togoya pour toi. Il n'y a pas de Togoya vidéo depuis 9 septembre. Maman, je ne te connais pas. Tu dis que j'ai vu que tu es ma soeur. C'est pour ça que j'ai fait blé. Un Noumougui. Dans mon dialecte, un Noumougui. Ça dit que je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas avant, maman. Donc, ne viens pas pour me chercher. S'il te plaît, ma soeur. S'il te plaît, cherche pour toi. La forêt est là. Forêt n'est pas encore finie. Où tu apprends ça? Il y a forêt. Je suis allée dans la forêt à côté de moi ici là. Je ne suis pas allée dans la forêt des aïeux de quelqu'un pour faire vidéo. Et puis ma vidéo sur la forêt que je suis allée faire. Et tu oses dire dedans non. C'est parce que tes abonnés t'ont dit qu'il ne faut pas te mettre dans les clashs. Mais tu vas venir me clasher parce que je suis allée faire une vidéo dans la forêt. Parce que j'ai traité un sujet pour ça. Toi, tes abonnés t'appellent pour te dire non. Comment ils appellent ces gens-là? Et là, il faut laisser, il ne faut pas tomber dans les clashs. Est-ce que ça a du sens ce que vous êtes en train de dire là? Ça a du sens? On va te demander pardon de ne pas venir me clasher parce que je suis allé faire une vidéo dans la forêt. Toi, ta vidéo que tu avais fait dans la forêt là, ça avait fait combien de vues? Et puis moi, je n'ai pas vu. Non mais, soyons sérieux. Ta vidéo que tu as fait dans la forêt, qui avait été une vidéo qui a fait le buzz, et puis tu étais supposé que j'avais vu cette vidéo. C'est pour ça que je suis allée faire dans la forêt là. Cette vidéo a donné. Moi-même, j'ai été surprise de comment cette vidéo l'a fait un boom. D'abord sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, ils savent comment les vidéos se visionnent tranquillement. Je peux dire que c'est l'une de mes vidéos qui a eu du succès sur YouTube. J'étais étonnée parce qu'elle s'est visionnée quasiment à 10 000 vues en 24 heures. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo a eu du succès. C'est ça qui t'a fatigué? Toi, tu avais parlé de ça là. C'est passé dans Sauce Djunglé. Tu as parlé de ça là, c'est passé dans Sauce Nyanya. Tu as parlé de ça, c'est passé dans... Non, Sauce Graine même, Sauce Graine est trop lourd. Dans Sauce Claire, c'est là-bas que c'était passé. Mais moi, j'ai parlé de ça. Oh. Ma vidéo est passée dans le caviar. Ma vidéo est passée dans le beurre. Donc, tu as souffert de ça. Tu oses venir m'attaquer. Toi et moi, on a des enfants. Pareil, je vais insister là-dessus. On n'est pas des enfants. Si tu dis que tu as de l'estime pour moi, tu as de l'estime pour moi, regarde comment tu as parlé de moi dans les vidéos. Comment tu ne cesses de parler de moi? Donc si tu n'avais pas de l'estime pour moi, ça a l'air grave. Hein? J'ai de l'estime pour toi. Et puis regarde comment tu as parlé. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tant de haine pour si peu?
Maman, ta page ne donne pas parce que les Africains ne sont pas mordus de l'art. Je ne sais pas si tu le sais. Ils ne sont pas mordus. Ils ne sont pas des mordus de l'art. Je crois que tu as créé ta page là. C'est pour des gens qui sont d'une certaine classe. C'est pour les Whitey. Sinon, si c'est art là. Eux, ils ne sont pas là pour ça. Donc, pourquoi tu as de la difficulté à comprendre ça? Et tu as venu m'attaquer, tu as venu mépriser. Je ne parle pas de tel sujet, je ne parle pas. Attends, tel blogueur comme ça, les blogueurs, tant oui, c'est vrai. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui dégament, ça c'est vrai. C'est toi qui envoyais le côté intellectuel sur les réseaux sociaux, entre les Ivoiriens. C'est toi qui envoyais. Maman, je ne te connaissais pas, oh. Jusqu'au 9 septembre, un numéro a dit. Comme tu dis, tu es bêté comme moi là. J'aime mettre au moins beaucoup de mots dedans. Peut-être tu es des gagnants ou tu es doux, je ne sais pas. Mais un numéro a dit, je ne te connaissais pas, maman. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de m'indexer dans tes vidéos. Je n'ai pas besoin d'aller tricher le sujet de quelqu'un pour venir parler de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Tricher un sujet. Les sujets, il y en a plein. Il y en a plein. Tout dépend de comment toi tu as exprimé le sujet. C'est le sujet, il y en a. Je crois que les sujets qui ont eu une connotation sexuelle là, les gens parlaient de ça avant, les gens ont toujours continué, ont toujours parlé de ça. Mais aujourd'hui là, il y a une là, dès qu'elle met son téléphone pour venir parler de ça là, vrou, les gens sont prêts. Maman, chacun a son aura dans la vie. Chacun a son quelque chose qui dégage. Je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux, mais toi et moi, on n'est pas dans le même registre. Toi, tu as ton registre qui est là. Moi, j'ai mon registre qui est l'immigration et conseil de vie. Voici ce qui est sur ma page. Donc, pourquoi tu vas venir t'en prendre à moi dans une vidéo où je ne t'ai rien fait, je ne te connais pas en tout? Il faut qu'on arrête tout ce niamselé là à un moment donné. Tous ces petits trucs là. Tu as critiqué les jeunes blogueurs, mais là, toi-même, tu es tombé dans l'enfantillage. C'est de l'enfantillage, ça. Le fait de dire qu'on te triche, il faut qu'on reconnaisse. Et madame a poussé ça loin. Qu'on reconnaisse que, et toi, tu n'as pas de problème qu'on parle de tes sujets. Mais il faut qu'on te reconnaisse. On va te reconnaître en tant que qui? Je ne t'ai jamais vu. Je suis jamais rentré en contact avec toi. Pour dire que non, le sujet que tu as traité là, c'est sur ça que je suis venu. Donc pourquoi on va s'embrouiller comme ça? Tu as frappé une première fois à la porte. Tu as frappé, boum, 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 je n'ai rien dit. Tu es venu encore frapper deuxième fois. Comme il n'y a jamais 103 là, je suis venu te dire ma part, respectueusement. S'il te plaît, ne m'indexe plus dans tes vidéos. Traite tes sujets sur ta page. Je ne suis pas abonné à ta page. Je ne suis pas abonné pas en tout à ta page. Donc, tout ce que tu fais sur ta page, je ne suis pas. La preuve, c'est des vidéos où tu m'as indexé, qu'on m'a envoyé. C'est là que je suis allé regarder. Je montre aux gens, on dit, cette dame là, 100 000 abonnés, mais on ne l'a jamais vue. Aïe! Qui sont ces abonnés là? Et puis nous on ne l'a jamais vue, on n'a jamais partagé une de ces vidéos, et puis ça a venu. Il y a quelqu'un qui m'a rejoint un jour ici, je n'avais pas dit son nom par question de... J'ai dit, ah, tu me suis dit, ben, bien sûr, je te suis. Dans tous les cas, quand tu fais une vidéo qui a framponné un jour là, ça a tombé dans la main des personnes auxquelles même toi-même, tu ne peux pas imaginer que ces personnes te suivent. Donc, s'il vous plaît, madame, traitez vos bons sujets, vos sujets qui donnent qui vous donnent votre visibilité. Je vous prie de les traiter. Laissez-moi en paix, tranquille. Moi, je parle de mes droits de l'homme. C'est mon droit de parler de mes droits de l'homme quand il y a une situation que je trouve anormale. Vous traitez vos sujets de là, tous vos autres sujets, tout et tout, traitez-les. C'est sûr que, puisque moi aussi j'aime beaucoup parler des enfants, de l'éducation, ça se peut qu'on se rejoigne. Mais ce n'est pas nécessairement sur votre page que je m'en vais prendre les deux sujets pour les coller parce que vous avez dit ça clairement dans la vidéo. J'ai dit encore vous-même pour maintenir encore ton respect toujours. C'était ça le but de mon direct. Je m'en vais à l'église, j'ai fini de dire ma part. Sur ce, je vous demande de prendre soin de vous. Ok, Marine Baka. Marine Baka, là, elle a Marine Baka, c'est ça. Les gens ne te connaissent pas. J'ai dit que
j'ai dit que mon fiston, il m'a dit la mère, j'ai 17 faux profils. Je suis informaticien. Je ne la connais pas. La première vidéo, il m'a dit ça. Il dit, je ne la connais pas. Tu as déjà venu parler d'elle. Donc, quand on m'envoie encore la deuxième vidéo, on m'a dit, mais là, à un moment donné, il faut faire le. Ça dit que il faut. Oui, parce que là, c'est comme on est au niveau des pétéchis. Les pétéchis, là, ce sont les petites hémorragies. Pour éviter la grosse hémorragie, je suis venu pour t'arrêter là. Je suis venu pour t'arrêter, maman. S'il te plaît, traite de tes sujets. Je vois que tu as de beaux enfants, tu as une belle famille, tu as une belle vie. Reste dans ton registre. Maman, ne viens pas me provoquer. Faut pas me provoquer, s'il te plaît. C'est ce que l'Éternel a dit. Merci beaucoup. Au risque de me répéter, je ne voulais pas rendre la vidéo longue. C'est là que je m'arrête. Merci. Voilà, les Léi, là, tous, on ne te connaît pas. En tout cas, il faut laisser ça comme ça, ma soeur. Ciao, ciao. Au revoir. Bon dimanche.